fatto quelle 80 interviste in questi giorni, un sacco di fatto. Allora, questo ci siamo? Funziona? Ok. Allora, beh, intanto di che andiamo a briglia sciolta perché poi tagliamo tutto, eccetera, quindi che non si preoccupi se non faccio presentazioni, eccetera, Ok, eccetera. il n'y a pas vraiment une présentation, après on va pouvoir couper les fours et monter, donc on commence un petit peu D'accord. comme... Allora, questo nella sua filmografia è il primo thriller, ok? Ça, c'est son premier thriller da sa filmografia. E niente, volevamo capire come mai ha fatto questa scelta di passare a un cinema di più di genere e se nel panorama poi complessivo, diciamo così, del genere si è ispirato a un qualche orizzonte di riferimento. Adesso nel comunicato stampa parlavano vagamente di Gomorra, piuttosto che, insomma, però che tipo di immaginario criminale, tra virgolette, c'è? Donc, c'est votre premier film dans les jambes, et donc elle voulait bien comprendre pour quelle raison vous avez choisi de passer à ces jambes-là, et si vous avez des références particulières. On parlait de Gomorra, ou vous avez dit, vous avez parlé de Gomorra, et... Non, era nel comunicato stampa, Nel comunicato, c'était dans les press release, quindi una sua de dichiarazione, Gomorra, diciamo et così. donc elle voulait savoir un petit peu plus par rapport à cette influence que vous avez eue. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait mon premier film de genre. Du genre là, parce qu'avant j'avais fait un film qui s'appelait Julia. Non è veramente il primo film di questo genere polar, perché aveva già fatto un film di questo genere, Giulia. Che était au Mexico e aux États-Unis. Ok, era ambientato tra il Messico e gli Stati Uniti. Mais donc là, effectivement, c'était d'abord du polar français. È il genere polar alla francese. Et donc, il s'agissait de traiter finalement d'une intrigue familiale. En fait, c'est l'idée m'est venue parce que j'ai lu un livre israélien de Dror Mishani. Et en fait, j'ai adapté ce livre. L'idea gli è venuta dopo aver letto questo libro di uno scrittore israeliano e quindi ha pensato di adattarla. Si tratta di un dramma familiare in qualche modo. Et on a changé beaucoup de choses par rapport au livre, mais ce qui m'intéressait, moi, c'était à la fois. Alors, on n'a pas pu compléter, parce que ça a été. C'est quand même. Il y avait quand même plusieurs histoires. Il y avait celle de l'inspecteur, il y avait celle de l'écrivain, il y avait celle de la famille. Donc, c'était un peu dense. Era una struttura molto densa perché c'era la storia dell'ispettore, del ragazzo, della famiglia, quindi alcuni cambiamenti sono stati necessari rispetto al libro. Mais ce qui m'avait intéressé dans le livre au départ, et ce que j'ai conservé, c'était ce professeur qui veut devenir écrivain et qui va s'attacher à cet élève qu'il a eu en cours particulier, dont il connaît la famille, c'est dans le même immeuble que lui. La figura che diciamo l'ha interessato particolarmente è di questo insegnante che ha fatto dei corsi privati al ragazzo che poi sparirà e che però sogna di fare lo scrittore, questa persona che entra in contatto con la famiglia e ha un vissuto particolare. Donc quelqu'un finalement qui est attaché à l'éducation des jeunes va déraper, va déraper, va vouloir devenir, sans y arriver, va vouloir devenir écrivain ce qu'il ambitionne et va utiliser une histoire, un fait divers, une histoire qui se passe tout à côté de chez lui et qui a un fait divers. Questa figura che appunto ha questa ambizione è molto nel mondo dell'educazione, molto inserito, però vorrebbe cambiare, diventare appunto scrittore e prende ispirazione da un fatto di cronaca successo nelle sue vicinanze, vicino a lui. Après, évidemment, il fallait bien un inspecteur. Et comme dans le livre, j'ai gardé la figure de l'inspecteur, puisque c'est une intrigue policière. Mais on a complètement changé le personnage de l'inspecteur. On en a fait un alcoolique, on en a fait un misogyne, on en a fait un type qui est un peu rebelle à sa hiérarchie. Désabusé. Désabusé. On a pris un peu tous les clichés du genre. Invece per quanto riguarda la figura dell'ispettore, anche questa è importantissima, è stata molto rielaborata rispetto al libro,
perché abbiamo fatto di lui un alcolista, un disilluso, una persona sempre un po' ribelle per quanto riguarda quello che dovrebbe essere il suo ruolo canonico. E per rattacher cet inspecteur a son fait divers, on lui a créé, alors là c'était pas dans le livre, on lui a créé un fils avec lequel il a des problèmes et avec lequel il n'honore pas ses responsabilités de père. E diversamente dal libro, proprio per creare una struttura narrativa più densa, ha pensato di dare un figlio a questo ispettore, un figlio col quale non va d'accordo, hanno problemi relazionali, ma che appunto serve molto bene per la trama del film. D'ailleurs, dans le scénario, et on a tourné, l'inspecteur, son fils est dans une intrigue de drogue, et l'inspecteur allait, dans le scénario, il va jusqu'à se compromettre pour sauver son fils de cette histoire de drogue où il s'est mis. Et il allait jusqu'à rencontrer le réseau de drogue et tirer son fils de cette histoire-là. Donc, d'une certaine façon, il y avait une espèce de rédemption. E suo figlio è immischiato in un affare di droga di cui il padre si occupa fino ad arrivare a conoscere, a smascherare la rete di narcotrafficanti con cui collabora ed è una sorta di redenzione poi del suo ruolo paterno. E poi en fait, au montage, donc on a tourné ça, et en fait au montage avec le monteur et avec ma collaboratrice qui est aussi la co-scénariste, on s'est dit, mais il est bien plus. C'est un regard bien plus dur et bien plus moderne que de dire que cette résolution entre le père, l'inspecteur et le fils n'aboutisse pas. C'est-à-dire que le père et le fils ne se réconcilient pas dans le film. La rupture, elle trouve aucune rédemption. Et on s'est dit, c'est bien plus intéressant, ça parle de beaucoup plus de ce que c'est que le monde d'aujourd'hui. Dans ces difficultés-là familiales, que d'imaginer une fin où tout fonctionnerait bien, ce que réclame le cinéma en général. Mm-hmm. Et on a dit que c'est beaucoup plus contemporain comme écriture. Donc on a coupé. D'accord. E poi una volta girato il film si sono resi conto che sarebbe stato molto più moderno e molto più interessante appunto far sì che il figlio e il padre non si riconciliassero, anche se normalmente appunto è previsto un po' di happy ending, in realtà hanno pensato che fosse una soluzione molto più interessante e molto più moderna e quindi non c'è una definitiva riconciliazione tra padre e figlio. On était più près de la vie, più près de ce qui se passe malheureusement dans la vie. Sono stati molto più fedeli a quello che poi effettivamente succede nella realtà della vita. E poi c'era un troisième personaggio, c'est la famiglia. C'est la famiglia de jeunes qui disparaît. E là, c'est donc des gens tout à fait ordinaires qui habitent le même immeuble donc, que le professeur de français. Et insoupçonnable. On n'imagine pas ce drame familial qu'il y a à l'intérieur de cette famille. On n'imagine pas que ce drame puisse avoir lieu avec le père, et encore moins, on imagine encore moins, donc il y a des rebondissements, encore moins avec la mère. C'était pas tout à fait traité comme ça dans le livre. Mais ce qui m'intéressait, c'était le délire artistique, littéraire, qui prenait cet écrivain et qui allait s'incruster dans cette famille à travers son observation, comme il fait pour l'enquête, il observe aussi l'enquête, il se rapproche de l'inspecteur, il joue un jeu de chat et de souris, puisque l'inspecteur croit qu'il est peut-être l'assassin, ou aussi il va incruster cette famille en écrivant des lettres, en se faisant passer pour le fils qui écrit des lettres à ses parents. Il terzo nucleo centrale è quello della famiglia, la famiglia di questo ragazzo che sparisce, una famiglia ordinaria, anche se ci sono dei drammi poi all'interno. A lui interessa molto il legame, in particolare appunto dello scrittore, che arriva proprio a incrostarsi in questa famiglia, la quale vive accanto, e arriva in strettissimo contatto con l'ispettore,
che, col quale collabora alle indagini, anche se viene considerato sospettato, anche se è potenzialmente insospettabile, e arriva addirittura a scrivere delle lettere alla famiglia fingendosi il ragazzo appunto scomparso. Quindi è questa una tematica che interessa moltissimo, in particolare di questo scrittore e della sua personalità che cerca di emergere tramite la scrittura. E ce qui m'a intéressé c'était que tous les protagonistes se trompent, l'inspecteur, l'écrivain, l'écrivain raté, on va dire, mais l'inspecteur, l'écrivain raté, se trompent chacun avec sa façon d'appréhender le monde, l'un avec le monde policier, ses pratiques policières, et l'autre avec l'écriture et l'observation littéraire. Tous se trompent parce que ce qui était intéressant, c'était pas que le père soit le coupable, mais ce qui était intéressant, c'était que un cran au-dessus, il y avait aussi la culpabilité de la mère. È molto interessante perché tutti in qualche modo si sbagliano, non solo l'ispettore nel suo operato, non solo lo scrittore, il professore che ha volontato lo scrittore, il padre colpevole, ma anche la madre in qualche modo di sottofondo ha le sue colpe. Tutti sono colpevoli, tutti sono in errore. Tous n'imaginent pas à quel point on va dire c'est poisseux, c'est sordide. È molto sordido, è tutto molto sordido, tutto molto lugubre. Sì. Ça n'arrive qu'à la toute fin du film, c'est la parte qui le dit. Soprattutto appunto la parte finale del film. Alors là, on appartient complètement au genre noir du cinéma, c'est-à-dire la vie dans ses difficultés, dans son sordide, qu'abordent les policiers en général. Sì, si ispeziona la vita nel suo sordido come i polizieschi. E per soutenir ça, ce sordide, j'avais besoin d'un personnage comme l'inspecteur et d'une mise en scène aussi, c'est-à-dire d'un personnage un peu haut en couleur, on va dire, un peu qui peut faire rire aussi le spectateur. Et aussi de pousser mes comédiens à jouer de façon très comment dire, pas caricaturale, mais très très psychophysique en fait. Ha spinto molto tutti i suoi attori per lavorare in modo molto psicofisico, non caricaturale, ma in modo molto eccessivo, soprattutto l'ispettore che è delineato in modo appunto eccessivo fino quasi ridicolo. Expressionniste en fait. Expressionniste, ouais. Pour faire un spectacle et non pas. C'est pas un film, comment dire, c'est pas un film réaliste, c'est pas un film qui étudie un cas. C'est plus du, pour moi, c'est plus du spectacle. Après, ça parle de choses très violentes. Non è un film prettamente realistico, è volutamente esagerato, parla di cose molto violente e appunto è. Il suo intento è quello di essere spettacolare in qualche modo. Allora, a mon grand étonnement, il y a eu pas mal de gens dans la presse, ça a été très partagé. Il y en a qui ont détesté et il y en a qui ont beaucoup aimé. C'est la proposition. Ha diviso molto il gusto pubblico, c'è stata una parte che ha veramente molto amato il film e una parte che invece l'ha contestato. Ma questo è un po' lo scopo del gioco. E, no, invece tornando allo scenario di riferimento, adesso poi ho detto Gomorra, ma in realtà cioè, va benissimo anche se qualunque altro riferimento in realtà ci fosse, al netto, non è che ci servono riferimenti italiani, cioè, okay. Per capirci, che tipo di immaginario aveva in mente nella costruzione di questo tipo di giallo, di altri film, per capirci, o altre cinematografie, eccetera. Quels sont les autres sortes de scénarios et des cadres d'inspiration que vous avez eu? Alors moi j'ai beaucoup aimé la série Gomorra, c'était très très beau. Là aussi c'est une famille, une famille mafieuse, c'est des conflits entre pouvoir mafieux, territoire mafieux, etc. Donc c'est un peu différent. Mais on a pris Paolo Carnera, qui est le chef opérateur de Gomorra. C'est à lui que j'ai fait appel pour Fleuve Noir. Okay. C'è il Paolo Carnera, capo operatore di Gomorra, che ha partecipato anche per Black Tide. Mm-hmm.
E comunque sì, Gomorra è stata una grandissima ispirazione, gli è piaciuto moltissimo per l'intrigo appunto mafia, territorio, potere, è stata una grande ispirazione. L'ispirazione principale c'était Police de Piera, de Maurice Piera. Police de Maurice Piera. E alors ce qui est... Pourquoi ? Parce que le personnage, non pas pour l'intrigue, mais pour le personnage. Parce que le personnage, il n'est pas alcoolique, mais il est misogyne. Il est très droit, mais il est en contact avec le gangstérisme. Et aussi, il a cette espèce de fantaisie et de côté blagueur qu'a Gérard Depardieu, donc qui joue le personnage principal de Police. Si ispira appunto a questo personaggio descritto da Carnera, non tanto per alcolico in quanto non lo è, alcolista in quanto lo è, ma per la forte misoginia, per i caratteri un po' ridicoli e per, nonostante essendo un personaggio molto retto e molto saldo ai suoi principi, si avvicina sempre al lato oscuro, diciamo, della mafia e del contrabbando e del crimine. Allora, dans Police, c'est donc Gérard Depardieu qui joue quand il était jeune. C'est un film très très beau, moi j'aime beaucoup les films de Piala. C'est un film très très beau, très très fort. Et donc, il y avait un clin d'œil à prendre ce personnage-là, mais 30 ans plus tard. Donc Depardieu, et on l'a pris, on lui a demandé de jouer le rôle, mais il l'a joué que 3 jours. Après. Giustamente aveva chiesto anche a Gérard Depardieu di far parte di questo film nel ruolo dell'ispettore, ma ha partecipato solamente per 3 giorni e quindi poi è stato rimpiazzato. E comunque nota una sorta di corrispettivo nel tempo, dopo 30 anni, dei due personaggi, dei due ispettori. Donc ça c'était l'inspirazione principale, Police. L'inspirazione principale era De Pardieu, 30 ans plus tard. Et donc 30 ans plus tard, c'est-à-dire c'est plus un jeune inspecteur, c'est un inspecteur qui est un peu usé, désabusé, fatigué, alcoolique, etc. Enfin là, on reprenait les clichés à la fois de Gérard Depardieu, qui aime beaucoup le vin, et qui est un personnage assez désabusé aujourd'hui. Ça, j'ai pu le constater en travaillant avec lui et en le rencontrant. Mais au bout de 3 jours, on s'est aperçu que ça allait être très difficile de travailler ensemble. Quindi sì, lo scopo era proprio di rendere questo personaggio 30 anni più vecchio, ancora più disilluso, ancora più stanco dalla vita, però dopo solo 3 giorni di lavoro insieme ci si è reso conto che era molto difficile collaborare. Et donc, au bout de 3 jours, on a décidé d'arrêter et on a demandé tout de suite à Vincent Cassel de reprendre le personnage. Ce qui était une gageure, enfin ce qui était un vrai pari, parce que ce n'est pas du tout le même physique. Il y en a un qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas le même charisme. Et c'est plus un personnage, Vincent, c'est pas un personnage désabusé, c'est pas un personnage alcoolique, etc. Donc, fallait qu'il devienne le personnage. Et notre grande chance, c'est que Vincent, ce qu'on dit, il a sauté à pieds joints dans le personnage, et c'est beaucoup, ça lui a beaucoup amusé avec le personnage. Donc, ça a marché, il a tout de suite compris l'humeur du film. Quindi è stato proposto immediatamente questo ruolo a Vincent Cassel, che ha accettato, ma è stata una grandissima sfida, perché salta agli occhi che hanno taglie differenti, età differenti, c'è uno stile di vita alle spalle molto diverso, non è un personaggio così disilluso, usurato dalla vita, però Vincent è stato molto bravo perché si è gettato proprio con 2 piedi nella parte e questo è stato eccellente. Donc c'est ce qu'on dit, ça a été un bien pour un mal. C'est stato da una cosa negativa, c'est passato in una cosa positiva.
va bene. E volevo sapere se la sceneggiatura era una sceneggiatura blindata o se comunque avendo degli attori anche di un certo calibro, eccetera, ci sono stati poi invece degli aggiustamenti che hanno fatto in corsa insieme agli attori sui personaggi. La sceneggiatura, sì. Donc, elle voulait savoir si le scénario a été déjà tout écrit, si tout était déjà bien figé, les parties, ou si vous qui avez des personnages, des acteurs très importants, vous avez eu la chance de travailler encore ensemble sous... Alors, en fait, juste pour moi, il y a une autre... Il y a beaucoup de thrillers et beaucoup de films policiers qui me plaisent. Melville, par exemple, etc. Mais là, c'était pas la source d'inspiration. Il y a quelqu'un qui, moi, est une inspiration principale, c'est Cassavetes, et donc Meurtre d'un bookmaker chinois. C'est un film policier. Il y avait aussi Gloria, mais Gloria, c'était plus ce qui inspirait mon film précédent, Julia. Là, c'était... Meurtre d'un bookmaker chinois, moi j'adore Cassavetes, c'est peut-être le, mais c'est pas une inspiration forte pour ce film là, pour Fleuve Noir. D'accord. Ci ha spiegato che ha avuto anche come ispirazione questo film di Cassavetes, Meurtre d'un bookmaker chinois, Chinese book. Oh, okay. L'omicidio di un libro cinese, lo troverai. Non lo conosco. Killing of a Chinese bookmaker. C'è un très beau film, c'est un très beau film. Ah, con Gloria, adesso. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que c'était la question? Si, donc vous avez eu la chance ah, oui. En travaillant. Non, le scénario, les dialogues étaient très écrits. À chaque fois, c'est comme ça. Et par contre, alors après, chaque comédien travaille à sa façon. C'est-à-dire, il y a des comédiens comme Tilda Swinton quand j'ai fait Julia, ou Romain Duris quand j'ai fait Dans Fleuve Noir. Là, c'est Romain, c'est celui-là. Ou Élodie Bouchet, qui joue dans ce film-là aussi, avec qui on peut parler beaucoup. Du film, du personnage, qui prennent des notes, qui posent des questions, qui aiment bien décider avec vous des costumes, etc. Bon. Et puis il y a d'autres comédiens, comme Vincent, qui eux n'ont pas envie de parler de psychologie, ni de philosophie, ni de... Donc il faut, il faut être dans leur inspiration autrement. Il faut comment dire arriver à... C'est plus une question d'énergie et d'entente induite entre lui et moi, entre ces comédiens comme ça. Il ne faut pas trop leur expliquer les choses, il faut plutôt être dans une énergie commune, dans un processus de, entre guillemets, de création commun. Ça s'est très bien passé avec Vincent, parce que avec Vincent, quand je trouvais, on prenait plusieurs prises, et quand je trouvais que c'était pas suffisamment lâché le jeu, et que c'était pas suffisamment le personnage, à la fin de la prise, je disais couper, et je disais simplement, on avait établi un code, je disais simplement Visconti. Et là, on refaisait une prise, mais là, il en faisait trop, il se lâchait trop. Et c'était souvent cette prise-là qui était la plus intéressante. D'accord. Allora, mi ha detto che era tutto già abbastanza scritto, già abbastanza ben strutturato. Poi ogni attore ha un modo diverso di lavorare. Tilda Swinton e Romain Duris in questo... Élodie Bouchez e Tilda Swinton nel film precedente hanno un modo molto più riflessivo, si interrogano molto, prendono molto appunti, chiedono molto. Invece con Vincent è molto più, come definisce lui, una energia condivisa, si lascia molto più andare, è molto più istintivo, diciamo. E diceva che avevano una parola chiave, Visconti, che serviva appunto per rigirare le
delle parti in cui magari si lasciava troppo andare e per ottenere poi dei risultati più convincenti. Ok. No, questa cosa degli attori che ritornano, perché anche la Boucher, secondo me, aveva fatto con lui uno dei suoi film anche un pochino più in là, che era La vita segreta degli angeli, eccetera. Quindi ha, come dire, una famiglia di attori in realtà di cui si fida, con cui preferisce lavorare. Avec Madame Boucher, vous avez déjà travaillé dans La vie secrète des anges. Oui, sur mon premier film, oui. Donc, elle se demandait si vous avez comme famille des acteurs avec lesquels vous avez beaucoup travaillé. Oui, parce que, par exemple, Élodie, j'étais très heureux de la retrouver. Si je peux refaire un film avec elle, je le ferai avec plaisir, parce que j'aime beaucoup la façon dont on travaille ensemble. Elle me fait très confiance, je lui fais très confiance. Tilda Swinton, qui était sur Julia, on va refaire la prochaine, enfin on est en train d'écrire, mais une série qui se passe en Angleterre, et donc avec Tilda. Donc on va retravailler ensemble. Romain Duris, j'aimerais beaucoup retravailler avec lui, Vincent aussi. Donc il y a effectivement des comédiens, ça se passe tellement bien que... Et puis après on se connaît, ça c'est vachement bien aussi. Sì, assolutamente, infatti con Boucher aveva già lavorato, è un'attrice con cui lavoro molto bene, hanno piena confidenza l'uno nell'altro, piena stima e fiducia. Con Tilda Swinton rilavorerà in una serie inglese e lo stesso vale per Romain Duris e Vincent Cassel, gli farà estremamente piacere poterci rilavorare, assolutamente. Ok, va bene. Ragazzi, avete sì. Domande? Devo fare qualche domanda? Però qui qua, vediamo. Vai. Posso? Sì, sì. Io volevo chiedere questo, lei nel suo film tratta tanti temi delicati, controversi, si passa dall'omosessualità all'alcolismo, alla dipendenza dall'alcol, alla droga. Le chiedo quindi che accoglienza ha avuto questo film in Francia e poi l'accoglienza che si aspetta nel nostro paese, in Italia. Il detective porta un cognome italiano, Visconti, che non può che non ricordare la storia del cinema italiano, lei stesso ha un cognome che rivela origini italiane, quindi le chiedo che accoglienza si aspetta per questo film nel nostro paese. Alors, vous avez abordé beaucoup de thèmes très complexes dans ce film, comme l'alcoolisme, l'homosexualité, tout ça. Donc, on s'est demandé quel a été l'accueil en France et quel accueil vous attendez en Italie. Tout en considérant qu'aussi il y a comme des références à l'Italie par rapport au nom du policier, et vous aussi, peut-être vous avez des origines italiennes. Donc, Alors en fait, l'accueil en France a été très partagé. C'est-à-dire qu'on a été soutenu par... Il y a deux revues très intellectuelles, très pointues au niveau du cinéma en France, c'est Positif et Les Cahiers du Cinéma. Alors on a été soutenu, défendu par Positif, mais on a été tué par Les Cahiers du Cinéma. Ci sono stati due correnti di pensiero ben definite in Francia, una che l'ha trovato molto positivo e invece una parte che è stata più avversa. Avec Les Cahiers du Cinéma, j'ai l'habitude, moi je suis toujours soutenu par Positif, donc cette revue-là, Positif. Et depuis mon premier film, je suis à chaque fois descendu par Les Cahiers du Cinéma. Et invece Les Cahiers du Cinéma è sempre stata un pochino più avversa per quanto riguarda i suoi lavori. Même quand le rédacteur des Cahiers du Cinéma était un copain. Anche se on l'aidait à faire son, avec mon producteur, on l'aidait à faire son court métrage. Anche se il rédacteur des Cahiers du Cinéma est un suo amico et lavorano insieme per dei court métrages. Et après, on a été très étonnés avec ce film-là parce que la presse de gauche a détesté le film, mais la presse de droite a beaucoup aimé le film. Parlando in generale, la stampa di sinistra non ha per niente amato il film, mentre quella di destra l'ha molto apprezzato ed è stato abbastanza sorprendente. Ça, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça nous a très surpris. Non erano assolutamente pronti a questo, non se l'aspettavano. Aspettato. Après. Bah, qu'est-ce que j'attends de la sortie du film en Italie? J'attends évidemment qu'il plaise, mais après, il y a tout un...
un cinéma italien auquel je suis attaché, parce que c'est celui de... Alors ça va de Ferreri, Fellini, Visconti, Antonioni, toute cette époque-là. Moi, ça m'a, c'est l'époque qui m'a formé. Après, il y avait tous les films sociaux ou engagés politiquement, comme Pietri, etc., que je regardais. Mais j'ai pas de référence sur... J'ai pas de référence sur le cinéma italien policier. J'en ai pas beaucoup de références sur le cinéma. Je sais pas dans quoi je m'inscris avec ce film-là. Je sais que je fais pas du cinéma d'auteur. Pour moi, c'est pas un film d'auteur. C'est un film que j'ai fait parce que j'avais un scénario que j'avais écrit avec ma compagne. Et ce scénario-là n'a pas trouvé d'argent pour se faire. Et donc, en fait... quand on a trouvé ce livre israélien, on a senti que ça allait être très très dur, très compliqué à monter le scénario d'avant, parce que c'était une histoire, c'était une double histoire. C'était très intéressant, mais aujourd'hui, dès que ça devient trop compliqué, on ne trouve plus l'argent pour faire des films. Donc on s'est rabattu sur ce film-là, de genre. Après, je l'ai fait à ma manière. Allora, mi dice che per quanto riguarda invece il cinema italiano, l'accoglienza nel cinema italiano, non sa esattamente cosa aspettarsi, perché ha dei riferimenti molto ben precisi per quanto riguarda il cinema italiano, ha citato Fellini, Antonioni, i romanzi sociali, eccetera, eccetera, però per quanto riguarda il poliziesco italiano non ha dei riferimenti così precisi. Inoltre mi ha spiegato un po' della genesi, ancora una volta, di questo romanzo, che è stata molto complicata perché avevano già degli altri progetti in campo lui e la sua compagna, che però non erano stati ancora finanziati. Quindi questo non gli lascia un'idea molto chiara di come possa essere interpretato in Italia. Certo. Allora, domanda di rito, le chiedo quali sono i suoi progetti futuri. Io ho visto che lei ha fatto 3 lungometraggi a distanza di 10 anni l'uno dall'altro, quindi... Ti chiedo se il prossimo film è nel 2028, oppure un pochino prima. Alors, il me demande si vous avez déjà des projets futurs. Vous qui avez eu 3 films dans les dernières 10 ans, donc il se demande qu'est-ce que vous pensez à faire. Alors, en fait, il y a eu La vie rêvée, il y a eu Le petit voleur, il y a eu Julia et La fleuve noire. Entre les deux, il y a eu un film aussi assez long de 2h30. Sur la guerre d'Indochine, une fiction qui a gagné les Emmy Awards du meilleur film étranger, que j'ai réalisé pour Canal, qui était aussi un film assez beau. Et les projets futurs, là j'accompagne ma compagne sur un projet qu'on a écrit, mais qui est son idée à elle, c'est elle qui le réalisera. Et aujourd'hui, on a des difficultés pour trouver de l'argent pour monter ce projet-là. Sì, giustamente oltre al film di cui parlavi, ricorda anche un film che è stato premiato ai Grammy Award come miglior serie straniera, basato sulla guerra in Indocina, che ha avuto quindi un grandissimo risultato. E al momento il progetto è di supportare la sua compagna con un progetto che appunto però è suo, della compagna con cui lui collaborerà, anche se sono ancora appunto in cerca ancora di fondi e di investimenti. Certo. E par ailleurs, il y a ce projet de série qu'on vient de signer avec Studio Canal, qui est une série donc avec Tilda Swinton, qui se passe dans la banlieue londonienne. Très spécial, c'est très spécial, c'est une idée qu'on a eue et qu'on écrit, donc là on va être payé pour écrire. E come ci spiegava prima, avrà questa collaborazione ancora con Tilda Swinton per Studio Canal, che sarà una serie ambientata a Londra e passerà appunto anche sulla televisione inglese. E lì saranno invece pagati per scriverla. Okay. E là, moi je suis en train aussi d'écrire un projet pour le cinéma qui se passerait à New York, mais avec un acteur français. E inoltre ha un progetto per un'altra produzione che verrà girata a New York, ma con un attore francese. Ok, allora ne approfitto. Io e lui stiamo studiando cinema, stiamo girando un cortometraggio nella nostra città, un documentario,
Le chiedo come si è avvicinato al cinema allora. Io l'ho letto che lei in realtà si è avvicinato abbastanza tardi. Sul primo documentario l'ha fatto abbastanza tardi in realtà. Le chiedo quindi, se vuole darci anche dei consigli, sono ben accetti ovviamente. La domanda quindi è, come si è avvicinato al cinema, cosa l'ha portata su questa strada, cosa la porta oggi qui a Piacenza a presentare il suo film, insomma. Alors, ils sont des étudiants de cinéma. Ouais. Donc, la question est, qu'est-ce qui vous a poussé à vous approcher au cinéma? Comment vous avez fait pour y vous approcher? Et vous n'avez pas commencé trop jeune, peut-être? Ouais. Et donc, ils se demandaient quelle a été votre l'étincelle qui vous a... Alors, c'est très bizarre parce que j'ai voulu faire du cinéma très, très, très jeune. Et j'écrivais mes histoires, mes gamins. Et en fait, une fois que ça a marché pour moi le cinéma, j'ai essayé de retrouver le désir. J'ai essayé de retrouver qu'est-ce que c'était que ce désir de cinéma. Et j'étais très très orienté, c'est-à-dire qu'à l'époque, je n'allais voir que les films italiens, parce que je suis d'origine, mes parents sont d'origine italienne. Et j'ai pas retrouvé l'origine de ce désir. Je ne sais pas ce qui m'a amené vers le cinéma. Je sais que c'était très fort, mais je ne pourrais pas mettre de mots dessus. Allora, lui era molto interessato da bambino, scriveva moltissimo da bambino, si è approcciato poi ai film italiani, giustamente ha visto anche le sue origini, ma è difficile capire esattamente quale sia stato il passaggio e poi quale sia stata la spinta per passare. È una passione che ha sia dall'infanzia comunque, da quando era bambino. Donc il n'y a pas de mot magique, il n'y a pas de recette. Non c'è un proprio un momento magico, una cosa magica, una ricetta particolare. Et par ailleurs, je n'ai pas fait d'école. Moi j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc, et après, j'ai pas fait non plus de formation cinématographique. Et je n'ai pas voulu être assistant réalisateur. Je m'obstinais à écrire des scénarios que je n'arrivais jamais à finir. Allora, ha interrotto gli studi abbastanza presto, a 16 anni, non ha fatto una scuola e non ha voluto neanche approcciarsi, diciamo, in maniera indiretta al cinema. Continuava a scrivere dei copioni che poi magari non terminava neanche. E en fait, c'est que très tard que j'ai pu commencer grâce aux courts-métrages, en fait. J'ai écrit des courts-métrages, je me suis dit, il va bien falloir que je commence à rentrer dans ce monde-là, et c'est grâce aux courts-métrages qui ont tout de suite trouvé de l'argent et qui ont tout de suite eu des prix, à mon grand étonnement, puisque j'avais jamais... Moi, je ne sais pas comment manipuler une caméra, par exemple. È stato grazie ai cortometraggi, quando ho cominciato a scrivere i cortometraggi, che invece ho cominciato poi a mettere in scena appunto le sue opere, ed è da lì che ha cominciato poi il suo percorso, anche se effettivamente diceva che non sapeva neanche come manipolare una macchina da presa. Donc je sais pas comment marche un agra, c'est plus des agra maintenant, mais c'est je j'étais pas du tout familier avec la technique. Non era assolutamente pratico di qualsiasi tecnica e tutta la... Sur mon premier court-métrage, le chef opérateur essayait de me faire comprendre ce que c'était que la différence des objectifs. Al suo primo cortometraggio l'operatore ha cercato di fargli capire la differenza tra gli obiettivi. Donc j'ai vraiment appris comme ça. Après, je me rappelle très bien, mon deuxième court-métrage, c'est là où j'ai compris que la lumière c'était aussi de la mise en scène. E è stato quel secondo cortometraggio che ha capito poi effettivamente che la luce faceva parte davvero del film, della messa in scena dell'opera. Je me suis aussi rendu compte que les déplacements dans l'espace étaient très importants pour moi dans ma façon d'écrire. Et ça, je m'en suis rendu compte à la fin de mon deuxième court-métrage aussi. Et anche gli spostamenti che erano così importanti per il suo modo di scrivere, anche di questo se ne è reso conto alla fine del suo secondo cortometraggio di come avessero un'importanza. Et en fait, j'ai appris ce qu'on a dit sur le tas en faisant des films. J'ai appris à aborder la photo, à aborder ça, et beaucoup beaucoup en regardant beaucoup des films, notamment Cassavetes. Et les films italiens, et après tous les américains comme Scorsese, Coppola,
tous les italo-américains. Ed è stato comunque anche molto stato provando e guardando molto i suoi grandi riferimenti, gli italiani, gli americani come Scorsese e Cassavetes, che poi ha messo un po' in opera. Mais par exemple, quelqu'un comme Cassavetes, au niveau de l'écriture du scénario, c'est j'écris comme lui, c'est-à-dire il a une façon d'écrire que je trouve très très intéressante. Par exemple, quand on a écrit une séquence, on est content. Et puis, de dire, mais qu'est-ce qui se passe si on continue cette séquence? Et là, on découvre plein de choses. Alors, il y a des tas de choses comme ça chez Cassavetes que j'ai appris en regardant ses films, en m'intéressant à cet auteur-là. Sì, Cassavetes in particolare è stato una sua grandissima ispirazione. Hanno un modo di scrivere, produrre molto simile. Cominciano con scrivere una scena e poi si domandano cosa succederebbe se continuiamo. E questa è una sua forte ispirazione. E poi aussi, je me suis intéressé parce que je voulais savoir comment diriger les acteurs. Et j'ai été faire des cours d'acteurs à Paris. Et puis j'étais très vite en fait attiré par les cours à Paris, mais d'influence Strasberg. Et après je suis parti aux États-Unis. Alors aux États-Unis j'ai une expérience assez étonnante parce que je suis parti, on va dire, en autostop aux États-Unis à New York. Et en fait, au début je dormais dehors. Je trouvais du boulot comme plongeur dans les restaurants de la Little Italy. Attends, je te laisse traduire parce que non, mais je suis vraiment là. Ah bon. Et en fait, au bout de 3 mois et un jour, quand j'étais illégal, je me suis marié avec une danseuse de North Killingham. Je te laisse raconter parce que là, pardon, une histoire. È stato molto interessato anche a capire come si potevano dirigere gli attori, quindi ha fatto anche dei corsi da attore, in particolare del metodo Strasberg. Una volta terminato questi corsi si è spostato negli Stati Uniti, dove ha cominciato veramente con autostop, dormire un po' in qualsiasi posto come cameriera Little Italy, e una volta passato questo periodo si è sposato con una ballerina. De North Killingham, c'est une grande compagnie américaine. Une grandissima compagnie américaine. Donc là, tout d'un coup, mon niveau de vie a changé et j'ai pu appréhender toute une culture que je ne connaissais pas. C'était par exemple Bob Wilson, parce que j'allais dîner chez lui. C'était par exemple toute la danse contemporaine, que je ne connaissais absolument pas. C'était... de fréquenter à Soho, à l'époque, les artistes par ma femme. Et en fait, au bout de... très rapidement, j'ai eu ma carte verte et j'ai pu m'inscrire dans des écoles pour être acteur. Et grâce appunto à cette connaissance, à cette union, ha potuto conoscere tantissimi personaggi di spicco della danza contemporanea, Bob Wilson, tantissimi artisti con i quali collaborava sua moglie. Grazie al matrimonio ho potuto ottenere la carta verde e da lì cominciare i corsi di studio negli Stati Uniti. C'è stata una chance incroyable, en fait, di rencontrer ma femme, maintenant on n'est plus ensemble, on est divorcé. Et donc, il y a un moment donné où je me suis dit, si je reste aux États-Unis, je ne serai jamais réalisateur. Et donc, je suis revenu en France. Et là, là, j'ai essayé de faire des études de philo, de littérature, parce que j'avais arrêté à 16 ans et donc c'était... Et alors, scusate, dopo questi studi negli Stati Uniti, però si è reso conto che non sarebbe mai potuto diventare regista negli Stati Uniti, quindi ha deciso di ritornare in Francia e approfondire ancora una volta la sua formazione di letteratura, filologia, che appunto era ancora una parte mancante. Et ça n'a pas été très successful parce que j'avais beaucoup de retard. Non è stata molto soddisfacente, molto di successo questa. Mais donc voilà, ça m'a permis après d'aborder le court métrage et du court métrage, j'ai rencontré mon premier producteur qui faisait des productions de court métrage et on a fait notre premier film ensemble, lui de long métrage et moi aussi. C'était La vie rêvée des anges. Et là, ça a marché, ça a décollé. E quindi poi si è dato finalmente al cortometraggio, ha potuto conoscere il suo primo produttore e il primo cortometraggio è stato poi il grande successo della vita sonata degli angeli.
Mais finalement, j'étais très content d'avoir eu cette expérience d'acteur. Moi-même ne pouvant pas être acteur parce que je n'ai pas de mémoire, je ne peux pas apprendre des textes. Et puis, je ne suis pas fait pour être de ce côté-là de la caméra. Quoi. Ed è stato molto contento di aver avuto questa esperienza d'attore, anche se non può fare l'attore per poca memoria, preferisce l'altra parte della telecamera, però è stato molto contento di aver avuto anche questa esperienza negli Stati Uniti. Io vorrei fare anch'io qualche domandina, se possiamo 5 minuti forse. Sulla colonna sonora volevo chiedere, perché ho ascoltato che si parlava di ricerche di espressionismo, esagerazione, iperrealtà, ma mi sembrava che invece a livello musicale le scelte fossero invece un po' nella direzione di realismo, quindi volevo sapere cosa ci poteva dire su queste scelte. Il la mia question par rapport à la musique que vous avez choisi dans les films, parce qu'on a parlé tout à l'heure des expressionnismes, exagération de la réalité, par contre il pensait que la choix musicale c'était plutôt simple et réaliste. Alors ouais, alors j'ai un problème avec la musique, j'adore la musique au cinéma, dans La vie rêvée des anges, j'avais trouvé un musicien qui n'était pas connu à l'époque, qui est devenu très connu, mais moi j'aimais qu'une musique de ce musicien, c'était, comment il s'appelle, son nom m'échappe, la musique elle est devenue très très connue après, et lui il a fait une carrière assez énorme. C'est grâce à La vie rêvée des anges. Ouais, ouais. Mais il n'y avait que cette musique-là dans le film. Après, dans mes autres films, j'arrivais pas à mettre de musique. À chaque fois que je mettais de musique, j'avais l'impression que c'était une illustration, que c'était une illustration musicale, ça ne me plaisait pas. Et moi qui adore, par exemple, les films de Lynch, où il y a tout un univers sonore et musical, etc., j'aimerais beaucoup faire ça, mais à chaque fois, je n'y arrive pas. Et je suis... c'est un jeune musicien qu'on a pris pour Fleuve Noir, qui nous a écrit plein de musique et qui est devenu un ami d'ailleurs. Mais je suis pas très content personnellement de la musique dans Fleuve Noir. Visiblement j'ai un problème avec la musique que j'arrive pas à résoudre dans mes films. Sì, dice che ha sempre un rapporto un po' complicato con la scelta musicale nei film. Ha citato l'esempio invece della Vita Sonata degli Angeli, che hanno preso un musicista alla primissima esperienza. Jan Tiersen. C'était Rue des Cascades, le titre. Et après, Amélie, il a fait Amélie Poulain. Je l'ai présenté à Genet, parce que j'étais voisin avec Genet, c'était mon voisin de. Et en fait, Genet m'a demandé ses coordonnées. Et lui, après, il a fait Amélie Poulain, mais il a vendu plein de disques, il a été vraiment une... Maintenant, c'est un peu plus difficile pour lui, parce que c'est toujours... Moi, ça ne m'intéresse pas, c'était tic-tic-tic-tic-tic, j'aime pas ça. Mais il y avait juste un morceau, quand il m'a fait écouter, où je me suis dit, ah, ça, c'est intéressant. Il a beaucoup de talent, mais moi, ça ne me touche pas, les petits univers musicaux. Bon, enfin, après, mais voilà, il y avait une musique qui me plaisait. Giustamente ha lanciato questo musicista che poi è diventato anche il compositore di Amélie Poulain e ha avuto un grandissimo successo. Non collaborano moltissimo perché non è esattamente il suo stile musicale. A lui piacerebbe moltissimo le colonne sonore allo stile Lynch. Invece per quanto riguarda Black Tide, hanno preso anche qua un giovane musicista. La scelta non lo ha soddisfatto completamente, ma dice che proprio per lui è molto problematico riuscire a trovare la colonna sonora. Gli sembra sempre che diano della illustrazione alle immagini e lo trova un po' superfluo. Quindi dice che è una nota dolente per quanto riguarda la sua produzione. Par esempio, i film di David Lynch, j'adore le bande son, j'adore le choix musicaux, eccetera. E moi, je ne veux plus faire de film réaliste, de film social, ça m'intéresse plus. Je veux faire des films qui vont vers le spectacle, l'imaginaire, etc. Donc ce serait plutôt des films où il y aurait un vrai travail sonore, un vrai travail musical à faire, qui font partie de la création artistique dans les films que je vais avoir. Alors on va voir si je vais y arriver ou pas, mais c'est plutôt, moi j'ai l'impression que c'est plutôt mon point faible.
Ha esattamente l'impressione che sia proprio il suo punto debole, perché non gli interessa più appunto fare dei film sociali con la realtà, vuole distaccarsi da questa cosa, ma far coincidere la scelta musicale con questa intenzione lo trova particolarmente difficile. E riguardo alla stimolazione di loro sul cinema e serie TV è interessante perché oggi tanti stanno iniziando a fare film direttamente dalla televisione, ad esempio anche il nostro Sorrentino, ma anche tanti americani, e non è poi questa grossa novità, perché in realtà molti registi hanno fatto cinema, hanno fatto televisione già negli anni 70, c'erano anche molti americani, quindi. Però adesso sembra una novità, come quando si fanno i film in 3D, sembra che l'hanno inventato adesso, invece è vecchissimo. Parto da questo per dire che seguiremo quindi le sue suoi progetti per la TV, perché sembrano molto interessanti. E Netflix, questo mi fa portare un po' un dibattito, il Festival di Cannes che non vuole film che hanno già magari dei contratti con Netflix e prodotti da Netflix, o che usciranno solo su Netflix e non prima in sala. Anche qui abbiamo avuto un po' di discussione, un po' di dibattito in Italia quando è uscito il film Sulla mia pelle, che parla della storia di Stefano Cucchi, e questo era un caso un po' particolare perché è un film speciale, abbastanza unico, forse non fa molto testo, bisogna vedere altri film che hanno a che fare con Netflix, però già questo ha innescato un po' un dibattito. Volevo sapere un po' come lui vedeva questo ingresso abbastanza vigoroso, prepotente di Netflix nella distribuzione oggi. Perché il tema è anche che la visione che può avere il francese è diversa dalla nostra, nel senso che in Italia abbiamo un calo vertiginoso ogni anno, quest'anno 20% rispetto all'anno scorso, di biglietti staccati nelle sale. E la Francia invece ha una sala che resiste. Ok, donc la question c'était quelle est votre idéal, votre idée par rapport à Netflix, à tous ces mouvements. On a commencé en parlant de séries télévisées qui ça fait depuis longtemps qu'il y a des metteurs en scène qui s'occupent des séries télévisées, et il y a tout le débat des festivals de Cannes qui avait interdit les films de Netflix et tout ça. Donc il voulait savoir quelle est votre réflexion par rapport à tous ces nouveaux canaux, et comment on vit en France cette diffusion de Netflix. En Italie, la situation d'entrer au cinéma beaucoup baissé par rapport à tout ça. Il y a une diminution du 20% dans l'année dernière. Et donc, il voulait savoir aussi comment ça se passe en France et qu'est-ce que vous en pensez à ce sujet-là. Alors, en fait, ce qui se passe en France, c'est que le cinéma est un milieu qui devient dépressif parce que le cinéma français fait des entrées uniquement sur des comédies et plus du cinéma. La situazione in Francia è, per quanto riguarda gli ingressi cinematografici, è abbastanza deprimente. Si lavora moltissimo sulle commedie e molto poco sul resto. Ça devient très très dur, on en fait l'expérience, moi j'en fais l'expérience hein, à mon niveau. Ça devient très très dur aujourd'hui de vendre des films entre guillemets d'auteurs. Diventa molto sempre più difficile vendere dei film d'autore. Ou même des films un peu complexes, qui ne sont pas forcément des films d'auteur, parce que c'est difficile aujourd'hui d'être un auteur en France, mais même des films complexes, etc. Ou comunque des films un peu plus complexes, sans arriver proprio all'autoriale. Il y a toute une culture qui est balayée, et des nouveaux producteurs qui arrivent, qui sont jeunes et qui viennent d'école commerciale. C'è tutta una cultura alle spalle che è completamente spazzata via. I nuovi produttori arrivano sostanzialmente freschi di studio da delle scuole di commercio. Marketing. O che viene alla tête des sections fiction chez Studio Canal, eccetera. Però che sì, appunto, sono in testa alle serie dei vari canali. Il est très très étonnant de passer d'une génération à l'autre, c'est-à-dire de travailler avec
les anciens producteurs et de travailler avec les nouveaux producteurs. C'est pas du tout, ils n'ont pas du tout la même, ils savent que pour faire un film, il faut aller à ce qu'on appelle les guichets, c'est-à-dire Canal, France 2, France 3, et donc ils n'ont pas la même exigence cinématographique che gli anziani produttori. È molto difficile lavorare con le varie generazioni di produttori perché questi moderni non hanno assolutamente le stesse esigenze dei produttori dell'ultima generazione, insomma. E poi il faut savoir que en France, même à la télé, les films cinéma, même les comédies, elles font moins de chiffres que elles font moins d'audience que les émissions de télé-réalité, etc. E comunque gli spettacoli, le commedie fanno meno audience in Francia, poi sono nati francesi, rispetto ai reality. E questo adesso al momento la. C'est-à-dire che ceux qui nous donnent l'argent, le télé, pour faire du cinéma, aujourd'hui, on leur rapporte pas l'audience, même les films qui marchent, les comédies, leur rapportent moins d'audience que des produits purement télévisuels. Sì, quindi è particolarmente complicato perché la cosa che fa più successo, fa più audience al momento televisivamente parlando sono i reality. Donc l'état d'âme, on va dire, l'état d'âme des distributeurs, l'état d'âme ça, des producteurs, aujourd'hui, ils sont tous en train de se demander que demain le cinéma est mort, quoi. Quindi la domanda che si sente più frequentemente lo stato d'animo è ma il cinéma quindi è morto? Et moi je le pense aussi, hein. Je voudrais continuer à faire lui ça. Et lui lo pensa. On voit bien que c'est plus possible, quoi. Et arriver les séries sont arrivées les séries sont de très bonne qualité. Les séries, al contrario, sono spessissimo di buonissima qualità. Le public s'est dirigé vers les séries et il y a des structures énormes comme Netflix, maintenant Amazon, etc. qui produisent ces séries. Et ci sono delle strutture proprio come Netflix e Amazon che producono loro stesse le serie. Donc là, ça, évidemment, ça tue complètement le cinéma. Non pas le cinéma hollywoodien, mais le cinéma européen, ça ne lui laisse plus aucune chance. E non lascia più nessuna chance al cinema, non diciamo quello hollywoodiano, ma quello europeo sicuramente è condannato. C'est pour ça que Cannes avait tenté de résister, de dire non, on fait des films, on présente ici du cinéma. Ed è proprio per questo che Cannes aveva cercato di opporre resistenza, dicendo qua si presentano solo dei film. Et on voit bien qu'à Venise, où ils n'ont pas eu la même. Où ils ont été beaucoup plus perméables aux films produits par Netflix, etc., on voit bien que l'avenir ne va pas pouvoir stopper. D'ailleurs, Cannes va finir par prendre aussi des films Netflix, Amazon, etc. Parce qu'on ne peut pas aller contre les mouvements comme ça qui sont aujourd'hui ceux qui rapportent de l'argent. E già appunto il Festival di Venezia era stato molto più permeabile a questa nuova ondata e lui pensa che assolutamente sarà questa la nuova direzione. E du côté des réalisateurs de cinéma, que ce soit Claire Denis, que ce soit moi, que ce soit d'autres, on va vers des séries. Ce qui se passe, c'est que on va réaliser des séries, on va essayer de les écrire, on va essayer de trouver des séries originales, parce que là, aujourd'hui, il y a des tas, tous les producteurs créent des départements séries. Et tous, ils veulent des scénarios de séries. Donc, il y a aujourd'hui des kilomètres d'écriture de séries qui sont absolument abominables, qui sont absolument mauvaises, malgré des très très bonnes séries. Donc, les gens comme moi qui appartiennent à une génération, c'était le cinéma, on va essayer d'écrire des séries, on va essayer qu'elles soient bonnes. C'est la série que j'ai présentée à Studio Canal, par exemple. Quindi sì, tutti si stanno muovendo verso le serie, ce ne sono chilometri di serie scritte in maniera abominevole, quanto ce ne sono alcune scritte in maniera eccellente, però il movimento ormai è per tutti i registi, lui e come tutti gli altri, è di muoversi ormai verso le serie. E donc, faut savoir qu'aujourd'hui Studio Canal
donc, qui produisait du cinéma, mais qui aussi était diffuseur Canal de séries. Donc il ne produisait pas de la série, il diffusait. Il donnait de l'argent à des producteurs et qui leur proposaient des projets de série et ils étaient très collaborateurs à l'écriture des scénarios. C'est-à-dire que on a Studio Canal qui lui finance le cinéma et on a Canal qui lui diffuse les séries. Ils ne vont plus diffuser des unitaires. Ils ne vont diffuser que des séries maintenant. D'accord. Parce que l'unitaire, les spectateurs ne le regardent plus. Donc des séries. Eux, Fabrice de la Patellière et Dominique Jubin, qui étaient donc sur le département séries de Studio Canal comme diffuseurs, qui donnent de l'argent, 2 millions d'euros à chaque fois pour écrire les séries que leur proposent des producteurs, sont très intrusifs sur l'écriture des... C'est des très bons collaborateurs. Moi, j'ai fait le Soldat Blanc avec eux, on était jusqu'à l'Emmy Awards. C'est des gens qui sont très intéressants, heureusement, sur l'écriture des scénarios, qui s'impliquent énormément, etc. Je te laisse... Alors, citato l'esempio di Studio Canal, che era appunto una diffondono le serie, non le producono ma sono solo diffusori di serie, si occupavano anche di cinema, adesso è più a questo ambito qua, e mi dice che però hanno dei produttori che hanno un'influenza enorme adesso nella realizzazione di queste serie, cioè un'intrusione fortissima proprio nella scrittura stessa della serie. Bon, aujourd'hui, pour concurrencer Netflix et Amazon et toutes ces plateformes, ils ont créé, viennent de créer une autre entité qui est, ça va s'appeler, ils ne savent pas encore, mais une entité de production. C'est-à-dire qu'ils deviennent producteurs. Et diventeranno à breve, sempre per contrastare Netflix et Amazon, produttori loro stessi. Non più solo diffusori, ma anche produttori. Parce que sans ça, ils ne s'en sortent pas. Altrimenti non c'è via di scampo. Donc ils vont produire et ils vont vendre leur production. E vendono, non solo più distribuiranno, ma produrranno e venderanno. Et là, avec ma compagne, on vient de leur vendre une proposition de série qu'ils ont achetée. Et hanno appena proposto, lui e la sua compagna, una proposta di serie che hanno acquistato. Donc, on a, c'est, avant il y avait Fabrice de la Patellière et Dominique Jubin qui étaient à Canal Diffuseur. Aujourd'hui, c'est Fabrice de la Patellière et Dominique Jubin, elle est passée, c'est elle qui est productrice de cette nouvelle entité. Ok, quindi non più solo produzione, ma non più solo diffusione, ma proprio produzione di. Voilà. Et donc voilà, on est aujourd'hui, ça va être le monde des Netflix et des séries, quoi. On peut plus faire. Il mondo di Netflix e delle serie non si può, cioè. Non si può più scappare. Molte grazie, è stato molto generoso. Grazie. Merci beaucoup, vous êtes merci. Très très généreux. Mais la différence entre les séries produites en Europe, c'est qu'on n'a pas l'argent comme HBO, qui sont capables de payer très cher les auteurs et de faire un travail en amont énorme pour écrire des séries qui sont absolument exceptionnelles. Il grosso problema delle serie europee è che non ci sono assolutamente i budget a disposizione delle grandi compagnie americane come HBO, che hanno invece dei capitali immensi per lavorare per gli attori, a disposizione degli attori. Ma Gomorrah è l'esempio di una serie eccezionale. Gomorrah è giustamente l'esempio invece di una serie eccezionale. Gomorrah è un libro eccezionale, vende tantissimo. Ça s'est vendu dans le monde entier. Et poi la serie anche. Sì, lui c'est justement un exemple d'un livre, un film et après une série qui a beaucoup plus. La série n'a pas beaucoup à voir avec le livre. La série non ha molto a che vedere col libro. No. C'est plus con. Moi je dirais que c'est plutôt le contraire. No. Mais bon. È il concetto dei libretti ispirato a. Ah, è successo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.